J'ai donc fait une commande NDED puisque voilà, j'ai commandé enfin, les produits principaux sur AliExpress, mais il y a certains produits que je voulais commander chez NDED, principalement le monomère pour débutants puisqu'il a une prise beaucoup plus lente qu'un classique. Et du coup, j'en ai profité pour commander deux, trois petites choses, surtout ce qui va directement sur l'ongle, donc c'est-à-dire le déshydratant, le primer et la colle pour les tips. Et donc le monomère, l'acrylique, j'utiliserai celle que j'ai reçue, enfin que je vais recevoir avec mon kit acrylique. Je vais tester également d'autres que j'ai commandées. Au fur et à mesure, je testerai d'autres marques que je vais commander sur AliExpress. Il y a notamment la Elite 99, la You Are Sugar, enfin plein de petites marques comme ça. Et je verrai si je testerai aussi la NDED dans une prochaine commande. Je verrai après laquelle est la mieux, rapport qualité-prix et tout ça. Et voilà. Donc ne me dites pas que l'acrylique de Chine ne peut pas être mis sur les ongles. Les Chinoises le mettent et elles n'ont pas toutes perdu leurs doigts. Hein. Donc je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris principalement tout par deux parce que les frais de port sont énormes. Franchement, 10 balles de frais de port, c'est juste énorme vu le prix des produits. Je trouve ça un petit peu aberrant, surtout qu'il faut commander pour un minimum de 95 euros pour pouvoir bénéficier des frais de port gratuits. Donc pour arriver à 95 euros avec le prix des produits, c'est très compliqué, sauf si vous êtes professionnel, ce que je trouve un peu dommage pour les particuliers. Donc du coup, j'ai tout commandé par deux, sauf quelques produits que j'ai commandé un exemplaire et un, j'en ai commandé quatre. Vous allez voir. Donc on va commencer bah, déjà par ça parce que c'est ce qui prend le plus de place. J'ai commandé deux rouleaux de trucs de cellulose, là des petits cotons qui ne peluchent pas pour enlever la couche de gras et compagnie. Donc vous en avez 500 à l'intérieur. Là il y en manque quelques-uns parce que je les ai déjà prédécoupés pour mettre dans mon petit pot. Et il arrive emballé individuellement dans une pochette plastique, donc bien protégé et tout. J'ai déjà rangé tous les deuxièmes produits dans mon stock parce que je ne vais pas les laisser traîner là pendant 15 ans. Mais voilà, celui-ci, c'est très pratique. Enfin, il y en a beaucoup. Et j'ai regardé par rapport à AliExpress, ceux de NDED reviennent moins cher. Parce que c'est 2,45 € les 500. C'est vraiment que dalle. Ensuite, j'ai bien sûr pris le monomère. Donc là, j'en ai pris 4 pour être sûr, parce que c'est quand même des petits flacons. Bon, je le laisse dans le plastique parce que ça pue. Alors, c'est pas que ça pue, parce que je trouve pas que l'odeur soit désagréable. C'est juste que ça prend fort au nez parce que ça sent très fort. Et c'est vrai qu'il y a sur plusieurs vidéos que je regardais, enfin surtout Melissa D-Nails, qui disait que les hommes trouvaient que ça sentait le gaz. Et c'est vrai que je trouve que ça sent le gaz aussi. Donc voilà, il y a un petit arrière-goût, enfin un petit arrière-odeur de gaz, tout ça. Donc là, c'est le format 100 ml. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais tenir avec ce genre de produit. Donc je vais noter les dates d'ouverture de chaque produit et le nombre de manucures que je vais faire avec. Donc je vais compter par 10 ongles, hein, on verra, ça sera approximatif. Comme ça, j'ai la durée à peu près aussi bien en temps qu'en utilisation. Et donc le monomère pour débutants, acrylique liquide, c'est écrit en allemand, hein, 2,95 € pour les 100 ml. Bien sûr, il y a plusieurs formats que vous pouvez choisir. Moi, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Ensuite, j'ai pris, donc là j'en ai pris que un, et quand je vois la taille, c'est vrai que j'aurais peut-être pu en prendre deux. C'est le nail cleaner spécial, donc c'est pour nettoyer les couches grâce des vernis semi-permanents et tout ça. Alors j'en ai pris qu'un parce que j'ai acheté des finitions, donc j'ai commandé sur AliExpress de la marque Elite 99 du No Wipe, donc du sans couche de dispersion en fait. Donc j'en aurais pas forcément besoin. Maintenant, j'ai vu sur plusieurs vidéos que de temps en temps, certains vernis semi-permanents ou vernis gel laissaient un petit résidu gras qui valait mieux enlever. Donc je me suis dit, au cas où, je vais quand même en avoir un sous la main. Par contre, ce que je trouve hyper bizarre, c'est qu'il est en format pompe. Voilà, ça j'avais pas vu sur le site. J'ai été un petit peu choquée en le recevant parce que ça va pas être super facile à utiliser, je pense, pour bien vider le coton. Mais bon, on fera avec. Au pire, je transviderai dans une autre bouteille. Ou je chercherai un autre capuchon pour juste transvider comme ça un coup et nettoyer le gras. Donc ceci, maintenant il faut que j'arrive à savoir lequel c'est.
Une cleaner 100 ml, 1,95 €. C'est que dalle, que dalle. Et sur ongle 24, parce que je ferai une commande aussi ongle 24 pour tester certains produits, quand j'aurai fini cela. Mais les produits sont quand même plus chers. J'ai pris deux sprays désinfectants, donc là c'est un format 250 ml. Voilà, c'est plus que correct. C'est pour vaporiser avant sur vos ongles pour les désinfecter une fois, enfin avant de repousser les cuticules et tout ça, pour pas attraper des infections, des bactéries ou compagnie. Ceci est à 2,95 € pour 250 ml, autant vous dire que c'est génial. Et tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher. Ongle 24 reste correct dans les prix. Ce qu'il y a, c'est que NDED est beaucoup moins cher. J'ai également pris donc deux cols pour les tips en format 7,5 g avec un pinceau. Donc je vais ouvrir celle-là et je vais ranger l'autre. Voilà, vous avez un petit pinceau. Vous avez un petit pinceau pour appliquer la colle sur les tips, ce qui est beaucoup plus pratique. Vous l'avez en format 1,5 g ou 2 g, je ne sais plus, mais c'est un petit flacon de pipette, donc je ne l'ai pas pris comme ça. Celui-ci est 1,25 €. J'ai donc pris deux primers, donc c'est les deux déshydratants. C'est un format 15 ml, ouais, tout ce qui est vernis. Oh, oh là là! Tout ce qui est dans ce style-là, c'est 15 ml. Celui-ci est, alors, donc il est à 1,45 € pour les 15 ml. Et voilà, c'est juste très bien. Le primer, j'ai pris le Super Bond, il me semble que ce qui s'appelle Ultra Bond Primer. Toujours en 15 ml et toujours 1,45 €. Donc là, pareil, j'en ai pris deux. Comme ça, une fois que j'entame le deuxième, je peux repasser commande et avoir toujours un roulement. Donc ça, c'est juste vraiment parce qu'au départ, je ne sais pas du tout le temps d'utilisation de ces produits-là. Et que comme je vais m'entraîner un maximum, je pense que je vais souvent enlever mes ongles pour en faire d'autres, pour me faire la main. Dernier petit flacon, donc j'ai pris, c'est lui la cuticule qui sent la noix de coco. Et je vous jure que ça sent divinement bon, c'est la première fois que je vois ça. Ah non, donc c'est l'ULC pour cuticule qui est à 1,45 € aussi. Et l'Ultra Bond Primer est à 2,25 €. Voilà. Ça reste quand même plus que correct. Donc vous avez plusieurs senteurs. Il y a ananas, il y a vanille, enfin, il y a beaucoup de senteurs. Moi j'ai pris celui à la coco et peut-être qu'après je changerai au vernis. Et pour terminer, je me suis perdue un petit peu sur les promos, parce que c'est pas vraiment des soldes, vu qu'elles y étaient déjà avant la date des soldes. J'ai pris une poudre acrylique, donc c'est un format 5 grammes, c'est de l'acrylique colorée. Et j'ai pris la Glitter Mauve, qui est juste magnifique. Donc, je vais l'ouvrir, mais je sais que je vais encore en foutre partout. Donc c'est un rose, alors je sais pas pourquoi elle s'appelle Glitter Mauve, parce qu'elle est vraiment très rose et toute pailletée. Elle est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de la tester, celle-ci, elle est trop belle. Et donc, elle était à 1,95 €. Donc, elle n'est même pas passée en promo. Je crois que c'est le prix des 5 grammes de toute façon. Et j'ai pris, celui-là était vraiment en promo, un gel UV. Donc, c'est le Wet Look Pastel Green. Pastel Green. Il est trop beau, c'est un peu un vert menthe comme ça. Je vais m'en foutre partout. C'est un vert pastel, un peu menthe, comme ça, il est très joli. Alors, c'est pas hyper pratique si vous laissez la petite couche d'aluminium par-dessus en protection, mais voilà, je préfère la laisser et bien refermer. Donc, c'est des formats 5 ml, ils sont tout petits, mais il y a déjà de quoi faire. Et celui-là, je l'ai payé 74 centimes. Donc en tout, avec les frais de port, j'en ai eu pour 49 €. C'est pas, franchement, pour tout ce qu'il y a, c'est vraiment pas exagéré. Et je trouve ça super, c'est juste dommage pour les frais de port. En plus, voilà, sur la page d'accueil, c'était marqué de s'inscrire à la newsletter pour gagner 5 € de réduction si vous achetiez pour 40 €. J'ai essayé maintes et maintes fois, j'ai essayé même de monter mon panier jusqu'à presque 100 €. J'avais pas le code ne s'activait pas, il me disait à chaque fois que mon panier était trop bas. Enfin, pas assez élevé, et j'avais pas assez de sous dans mon panier. Normalement, vous êtes censé avoir un cadeau à partir de 49 € que vous pouvez choisir entre 10 articles. Même en montant à 100 €, j'ai jamais eu accès à ce choix d'articles. J'ai jamais vu qu'on me mettait un cadeau dans le truc. Et en plus, voilà, les frais de port, il faut 95 €. C'est quand même énorme. Et voilà.
Donc maintenant, j'ai juste hâte de recevoir mes produits qui me manquent pour pouvoir tester ça avec vous en vidéo. Je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que ça va être drôle d'essayer pour les premières fois. Ça risque d'être assez gag de me faire les ongles. Maintenant, j'ai vraiment hâte de commencer en sachant que j'ai déjà reçu la ponceuse électrique. Mais ça, je n'utiliserai pas tout de suite parce que je vais attendre d'abord de manier l'acrylique et tout ça. Et par après, j'essayerai la ponceuse. Mais bon, comme elle était en promo, je l'ai pris parce que je l'ai payé 14 euros. Et j'ai reçu aussi la lampe UV déjà. Donc, je les ai commandées il y a 7 jours précisément, jour où je tourne cette vidéo. Donc, on est le 4, je crois. Ouais, on est le jeudi 4 juillet. Et du coup, il m'a fallu 6-7 jours pour recevoir déjà ces deux produits-là. Donc j'espère que le reste ira aussi vite parce que c'est long d'attendre. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Moi je vous dis donc du coup, je ne sais pas à quand puisque cette vidéo va être une vidéo bonus. Donc on se retrouve soit samedi, soit mercredi, suivant quel jour vous verrez cette vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous bisous.